Pour le premier Inspiring Story après la période de confinement, qui est un événement qu'on va à l'APEX, que l'on va garder toutes les semaines, le mardi. Alors, je regarde qui n'entend pas. Bonjour, j'entends bien les conférenciers, trop bien. Merci Isabelle. Et qu'on va garder donc le mardi. Je profite que Marc Amerigo soit là pour vous donner notre prochain rendez-vous qui aura lieu mardi prochain avec Marc qui est ingénieur et qui adore le sport extrême et coupler la possibilité à travers son activité d'ingénieur et les challenges d'activités sportives extrêmes de pouvoir arriver à des très belle performance et même des records. Et tout ça dans un esprit d'équipe, de communion, d'énergie qu'il appelle l'ultra-performance. Il vous en parlera avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Je ne l'interviewerai pas vraiment puisque Marc est un spécialiste du TEDx et il saura tout seul vous emmener et vous capter pendant 20 minutes, une demi-heure, jusqu'à cette passion de travail en équipe et de tribu d'énergie qu'il peut vous apporter. C'est beaucoup de plaisir, en tout cas, de l'écouter. Et donc, il sera avec nous mardi prochain à 12h30. Merci, Nathalie. On va peut-être commencer. Déjà, merci à vous tous d'être là. Aujourd'hui, comme je disais, premier événement après le confinement de Inspiring Story. C'est quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui restent en télétravail. En tout cas, c'est pour l'équipe de l'APEX et pour beaucoup de nos membres adhérents, encore la situation pendant les quelques prochaines semaines. Et c'est un événement que nous allons garder tout au long, je pense, tout au long de l'année. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Patrick Siri, qui a fondé et qui dirige T-Factory, qui accompagne les startups. Et la séance va être animée par Corinne Versini, qui a fondé et qui dirige Gene Inc., qui fait des biotechnologies ou des technologies pour fonctionnaliser des supports. Je vous rappelle un petit peu ce que c'est l'APEX pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, c'est un club d'entrepreneurs de l'international qui font de l'import, export et aussi de partenaires qui viennent soutenir les entreprises. C'est un vrai réseau, c'est un collectif qui permet en fait de mieux s'informer, d'avoir plus de facilité pour travailler à l'international. Nous sommes connectés ici et nous travaillons tous sur le territoire et nous sommes connectés à différents territoires dans le monde entier. La période du confinement nous a montré ô combien ce collectif et cette synergie qu'on a pu avoir les uns les autres était encore plus important et encore plus fort que ce qu'on pouvait porter à l'APEX. Beaucoup de nos partenaires, beaucoup de chefs d'entreprise ont aidé d'autres membres de l'APEX et même des entreprises qui n'étaient pas membres pour leur donner des clés, pour les encadrer, pour les coacher, pour les soutenir durant cette période compliquée. N'hésitez pas toujours, chacun, membre ou non membre de l'APEX, à revenir vers nous, vers le bureau, si vous avez besoin de soutien, d'information, d'être accompagné pour avoir un prêt, parce que vous vous sentez en difficulté. Aujourd'hui, rien n'est plus important que la solidarité et le collectif. Et ça résonne très, très fort aujourd'hui à l'APEX. Et je remercie chacun des adhérents et des partenaires de l'APEX d'avoir été aussi présents et aussi dynamiques durant les 3 mois qui ont précédé. Je sais que ça le sera encore pendant les 6-7 prochains mois qui vont suivre pour aider chacun
chacune des entreprises du territoire. Juste un petit peu pour résumer les règles de ce webinaire. Les micros sont coupés pendant la séance et vous pouvez par contre poser des questions avec le petit onglet en bas « Converser » durant la séance pour ne pas perdre le fil ou intervenir à la fin de l'interview que mènera Corinne qui a préparé fortement cette interview. Et voilà, merci à chacun de vous et j'ai le plaisir avec vous de découvrir un petit peu les situations des startups, le travail de Patrick, aussi la situation des startups pendant cette période-là et peut-être, pourquoi pas, comment l'APEX peut venir collaborer et assister les startups pendant les prochains mois et la prochaine année. Merci Nathalie pour cette présentation. Merci. Donc, je vais reprendre le relais. Alors, effectivement, on a beaucoup préparé avec Patrick, mais c'est parce que je me suis régalée. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de questions, mais j'en ai pas assez. Tellement il y en aurait, parce que je trouve que je connaissais Patrick, parce qu'on s'était rencontrés de façon informelle autour de cocktails. Et j'ai beaucoup aimé la discussion parce que j'ai rencontré un véritable entrepreneur. Si un jour vous posez la question de savoir la différence entre quelqu'un qui manage et quelqu'un qui est un chef d'entreprise, eh ben voilà, vous allez en rencontrer un aujourd'hui. Vous avez un bel exemple. Donc, Patrick, tu diriges plusieurs choses, mais d'abord, dis-nous qui tu es. Oui, bonjour, bonjour Corinne. Merci Nathalie de nous recevoir effectivement dans ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, bon, je suis Patrick Siri. Alors, j'ai coutume de me définir comme un entrepreneur engagé. Voilà, bon, c'est deux termes qui me plaisent et on va y revenir peut-être tout au long du webinaire. Alors, entrepreneur, parce que j'ai créé des boîtes dans ma vie. J'ai repris des boîtes en difficulté, soit à la barre du tribunal, soit effectivement en one-to-one, quoi, en discussion. Mais juste une petite remarque sur les reprises d'entreprises en difficulté, parce que ça va être un peu à l'heure du jour dans les mois qui vont venir. Les gens vont se dire, tiens, il risque d'y avoir de belles affaires en RJ, là, il va y avoir des boîtes, on ne paie rien, on prend la boîte. Alors attention, c'est un métier de reprendre des boîtes en difficulté. C'est très contraignant, on a très peu de temps, il faut voir beaucoup de choses en un laps de temps défini. On a un environnement du tribunal de commerce qui est quand même un peu stressant, on n'a pas l'habitude, le procureur, le juge, les commissaires assédiques, les avocats, tout le monde, les représentants des créanciers. Enfin, c'est un environnement très compliqué et il ne faut pas croire que parce qu'on ne met pas un sou au départ dans une boîte, on ne va pas en mettre par la suite. Et ça, des fois, on prévoit même de mettre X, ça m'est arrivé, X argent. Il faut 2X à la fin pour qu'effectivement on arrive à sortir de la tête hors de l'eau d'une boîte en difficulté. Surtout qu'il y a un modèle à retrouver, puisqu'on ne va pas re-exploiter le même modèle qui a conduit à la perte de l'entreprise. Donc il faut retrouver un nouveau modèle économique. C'est très compliqué la reprise d'entreprise en difficulté. C'était le petit message que je voulais passer, parce qu'on va devant des boîtes qui vont tomber, des gens qui vont se dire je reprends. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je suis président de PayFactory et on va y revenir. On va voir en quoi ça consiste PayFactory. Et puis engagé parce que j'ai toujours eu dans ma vie effectivement des mandats, soit juge au tribunal de commerce, soit j'ai été membre élu à la chambre de commerce, à la CCI, et je suis aujourd'hui membre élu du comité exécutif de l'UPE. Et je suis un petit mandat à côté quand même qui est important, et on va y revenir aussi, je suis vice-président de la French Tech. Donc voilà un peu qui je suis aujourd'hui, et j'ai une passion, l'alpinisme, ce qui m'a permis pendant avec mes associés qui étaient très compréhensifs de pouvoir partir au bout du monde et de faire de beaux sommets voilà, dans la chaîne de l'Himalaya et de faire des 8000 en l'occurrence. Voilà ouais. En gros, en deux mots, qui je suis. Hein. Donc, on voit que finalement, tu fais un peu un grand écart, c'est l'impression que ça donne, entre PayFactory, la French Tech et la Chambre de commerce et l'UP. C'est ouais. Quoi les différences et les synergies? PayFactory, c'est une entreprise, une SAS, hein, avec un véritable modèle qu'il faut faire tourner et qu'il faut rendre profitable. On va y revenir quand je détaillerai peut-être un peu PayFactory tout à l'heure. La French Tech, c'est un merveilleux label. Voilà. La French Tech, c'est un outil qui permet effectivement de faire rayonner, de faire éclore, de fédérer un écosystème. Et
le faire fédérer, ça donne effectivement plus de visibilité. D'être uni, ça te donne une autre force, une autre dynamique. Et je pense que c'est ce label French Tech, depuis qu'il existe, il a permis d'exister, de montrer qu'effectivement à Marseille, ou notamment dans la région, il y avait un certain nombre d'entreprises et de start-up qui étaient là, qui avançaient et qui avançaient plutôt bien et qui permettaient effectivement d'en attirer d'autres, etc. Et bon, voilà, c'est un label qui a énormément d'intérêt, je pense, sur le plan du développement du territoire. Après, l'UP, c'est un syndicat. Contrairement à la Chambre de commerce, où c'est une institution qui représente les entreprises et qui discute avec les autres institutions pour faire avancer certaines préoccupations. Mais ça n'a pas ce côté syndicat qui me plaît, où on revendique, on essaie de faire changer les choses, de défendre des véritables valeurs entrepreneuriales. Et c'est ça qui est important à travers l'UP. Bon, en plus, c'est un réseau. En plus, on est ensemble, donc on a une plus grande force. On se sent moins seul. On joue collectif, comme le dit souvent Jean-Luc Chauvin, donc le jouet collectif est important aussi. Enfin voilà, donc il y a tout ça à travers ce syndicat, et surtout ça permet d'aider aussi effectivement des, et on l'a vu pendant ce confinement et cette période de crise, on va en reparler aussi de la période de crise tout à l'heure, mais pendant cette période de crise, on a vu que à travers l'UP, que les gens se fédéraient, qu'il y avait une solidarité à travers l'APEX, à travers tous ces outils qui sont à disposition des entrepreneurs, qui permettent effectivement de pouvoir peut-être s'en sortir, en tous les cas de surnager aujourd'hui, quoi. Voilà, donc les différences essentielles, c'est ça, entre une SA, entre une association et entre un syndicat. Et si on revient sur ta casquette, on va dire, je n'aime pas tellement le terme, mais bon, chef d'entreprise, c'est quoi PayFactory? Alors, voilà, PayFactory, c'est né d'une idée il y a 5 ans, c'est né donc… Enfin, on reviendra. J'étais président pendant 4 ans de Provence Business Angel, un réseau de Business Angel, et on investit, donc on soutient effectivement des projets à travers PBA. Mais on s'est aperçu, donc avec Bertrand Biguet, hein, qui est mon associé dans PayFactory, on s'est aperçu qu'on n'était pas satisfait de nos investissements et que le principal écueil, c'était effectivement l'accompagnement. Donc on s'est dit, il n'y a pas d'accompagnement, et sans accompagnement, nos startups dans lesquelles on investit vont partir au tapis, et bien sûr, on va perdre de l'argent, etc., etc. Et puis les business angels, qui sont les seuls à financer l'amorçage, vont se lasser, et donc il n'y aura plus d'amorçage. Donc on s'est dit, on a créé donc une véritable SAS avec des actionnaires prestigieux, la CEPAC, la Caisse des dépôts, enfin maintenant donc la Banque des territoires, et puis une soixantaine d'entrepreneurs engagés du territoire et de renom, hein, bon, des Canadès, des Vermaza, des Parakian, etc., qui ont fait le capital de PayFactory. Et chez PayFactory, on accompagne les startups et on investit dans les startups. Okay, on les accompagne en leur apportant plein de conseils sur le financement, comment il faut s'y prendre, les levées de fonds, etc. Leur faire prendre conscience que le chiffre d'affaires, c'est la seule façon de pas toujours lever la main ou tendre la main pour demander des subventions ou aller chercher des sous. Il faut faire du chiffre d'affaires. C'est une notion très compliquée pour un jeune start-upper à lui faire comprendre. Et puis, on apporte énormément d'avantages, du réseau, etc., etc. À travers un programme bien établi qu'on a mis en place avec Bertrand, ce qu'on appelle une académie, des cours, quoi, hein. Et puis des suivis one-to-one, on est disponible pour nos startups 24 heures sur 24, etc. Et aujourd'hui, 5 ans après, PayFactory, c'est 140 startups qui ont intégré PayFactory. Alors, elles ne sont pas au même niveau d'avancement, et puis il y en a qui avancent moins vite que d'autres. Il y a eu 57 levées de fonds quand même. Il y a 2 millions investis par PayFactory et ses actionnaires. À côté de ça, ces 2 millions ont fait levier et ont permis à lever 18 millions quand même d'euros en equity, et ont permis d'aller chercher en dette auprès des banques, CIC, CEPAC, etc., 14 millions. Donc, quelque part, on a quelques mortalités, je ne vais pas faire des statistiques, mais on a beaucoup, beaucoup moins de mortalité que dans les réseaux de BA classiques, où l'accompagnement, qu'ils font aussi hein, quand même, il ne faut pas croire qu'ils n'accompagnent pas, mais il est moins primordial, on va dire, que ce que l'on fait chez PayFactory. Et notre modèle économique, eh bien, c'est qu'on est minoritaire, on prend une participation au capital et on espère avoir un retour sur investissement dans quelques années. Sachant qu'au début, je me disais que le retour sur investissement allait se faire en 4-5 ans, et je m'aperçois que le temps de maturation d'une start-up, c'est plutôt de 8 à 9 ans. Donc voilà, donc ça, on l'a fait comprendre à nos actionnaires qui ont très bien compris et qui sont des actionnaires et qui ont mis des capitaux patients, j'appelle ça des capitaux patients, et qui attendent effectivement leur retour sur investissement qui viendra
dans quelques années. Quoi, voilà. Ça, je partage un peu ton avis sur le retour sur investissement, mais voilà. J'aimerais que tu partages avec tout le monde ta définition de la start-up, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de start-up et on ne sait plus ce qu'on met derrière. Ouais. Alors, ma définition elle a un peu évolué et puis aujourd'hui là, j'en ai un peu, il y a une population d'entités là, de start-up zombies là, qui vivent à coups de millions là, pendant les belles années. Je pense que c'est fini ça, ça va être complètement fini, mais qui arriveront jamais à dégager des profits. Donc, et ça c'est terminé quoi. Et je crois qu'une start-up à un moment donné ça doit devenir quelque chose qui doit faire du chiffre d'affaires, qui doit dégager du profit. Bon, donc déjà on élimine cette catégorie là et puis il suffit pas de dire il y a un baby foot, je rentre dans une entité là, il y a un baby foot, ils ont tous des suites à capuche sur le dos, c'est une start-up. Non, une start-up c'est pas ça. Une start-up c'est une j'ai coutume de dire que c'est une entité qui est en faillite permanente. D'abord, ça c'est vrai qu'à partir du jour où elle se crée, surtout en France plus qu'ailleurs, parce que tout lui tombe sur le dos quoi. Le jour où elle se crée, les charges, l'URSSAF, le machin, etc., enfin, ils ont tout sur le dos tout de suite et c'est très compliqué. Bien sûr, elles ont des fonds propres, on va me dire qu'elles ont qu'à avoir des fonds propres plus importants, mais bon, c'est pas le cas, elles n'ont pas de fonds propres suffisamment importants, donc c'est vrai que c'est des entités en faillite permanente. Mais en gros, si je veux être plus sérieux et voilà, et pas partir un peu à la dérision, une start-up, c'est une entité qui cherche son business model, qui va pivoter, qui va chercher son business model. Et une entreprise, c'est une entité qui exploite et qui améliore son business model. C'est-à-dire qu'une une start-up, c'est une entité qui n'a pas trouvé encore son business model et qui le cherche, et voilà, qui va à coup de pivot, à coup de. Voilà. Et qui ça va prendre effectivement un certain temps, certainement. Hein. Donc, ça veut dire que ça va être la difficulté pour toi, ça va être justement de choisir ces startups, parce que tu ne vas pas pouvoir le choisir sur un fichier Excel, puisqu'il n'y aura pas les revenus ni le chiffre. Alors, comment tu choisis tes startups ? Alors là, s'il y a tous les cons gagnés, ça serait facile. Je serais milliardaire, quoi. Donc, aujourd'hui, avec Bertrand, on a beaucoup réfléchi, on avait mis des critères, des grilles, etc. Enfin, on s'était fait des. On cochait des cases pour savoir comment on intègre une startup chez Factory. En fait, il y a l'homme et l'homme en priorité, c'est-à-dire la personnalité du porteur de projet, de son talent, on va dire. Et c'est primordial, on ne se rend pas compte, mais on en revient toujours à ça, quoi, à la pugnacité, puis on va voir peut-être les valeurs après des entrepreneurs, mais c'est l'homme en priorité et c'est le besoin qu'ils veulent résoudre. Où ça fait mal pour les gens et le besoin. S'il n'y a pas de besoin, c'est pas une entreprise, c'est pas une start-up, c'est de l'utopie, c'est du rêve, c'est voilà. Mais il faut qu'ils aient un véritable besoin, c'est-à-dire qu'ils appuient à un endroit où ça fait mal pour une certaine catégorie de gens, voilà. C'est-à-dire résoudre un problème. Et puis des valeurs et des capacités d'entrepreneurs qui sont hors normes. Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, être entrepreneur, c'est fabuleux, quoi, mais c'est un truc, on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas fait ce parcours, mais c'est un truc de malade, quoi, être entrepreneur, être start-upper aujourd'hui. Hein. Et ça va, en plus, aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, ça va être encore de plus en plus compliqué parce que les sous vont se faire de plus en plus rares, ça, il faut le savoir. Donc, ça va être un parcours d'obstacles monumental pour les gens qui arrivent. J'aimerais quand même qu'on a compris ce que tu faisais avec les startups. On a compris que tu travaillais avec la French Tech, où, à mon avis, l'écosystème est à peu près le même. Mais alors, côté CCI, côté UP, c'est totalement différent. Il n'y a pas un choc culturel. Pourquoi tu fais ça, c'est aussi différent, enfin, aussi des milieux aussi différents que ceux-ci. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Moi, je pense que là, effectivement, c'est un choc quand tu es start-upper et que d'un seul coup, tu viens de quitter une start-up et que tu vas à l'UP et que tu rencontres un establishment, quoi, hein, quelque part, des entrepreneurs un peu connus, qui ont des boîtes, qui existent depuis 40 ans, 50 ans, etc. Mais je pense que il faut mêler ces populations, c'est indiscutable. Quoi. Je pense que l'entreprise traditionnelle, elle a besoin de cet écosystème des startups aujourd'hui. C'est nécessaire à la digitalisation, qu'ils n'ont pas encore bien pris conscience. Et il y a un truc qui a fait prendre conscience, là, quand même, hein, il faut savoir, c'est le Covid, là, quand même, quelque part. Parce que le Covid a fait gagner des mois, voire des années, sur la façon de travailler en télétraitement. On n'avait pas l'habitude de travailler en télétraitement. Moi, le premier, enfin, je veux dire, aujourd'hui, même les entreprises qu'on dit traditionnelles sont passées au télétravail, enfin,
la visioconférence, au télétravail, etc. Et ça, ça, le Covid, bon, ça a un peu des points positifs, c'est que ça nous a fait gagner des mois, voire des années d'avance. Ça a accéléré, enfin, le Covid a accéléré beaucoup de choses du reste, hein. Il a accéléré sur le plan mondial, il a accéléré, enfin, ça a été un accélérateur effectivement de ce côté-là. Et puis, moi j'en ai marre qu'on ait de côté des start-upers qui disent vous êtes dans un monde de start-upers, bon, et puis des entrepreneurs. Bon, les start-upers, il faut qu'ils soient reconnus par leur père, et leur père, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui entreprennent, et il faut qu'ils soient de la même famille. Il faut qu'ils soient unis, il faut qu'ils avancent, qu'ils jouent collectif, qu'ils se défendent ensemble, etc. Et c'est important, cette notion. Et puis, il faut défendre les valeurs entrepreneuriales aussi. Les start-upers, c'est des entrepreneurs. Ils ont leur mot à dire. Et aujourd'hui, ils n'ont pas trop la parole. Et c'est vrai que rejoindre, s'engager, et je milite pour ça aussi, pour qu'effectivement les startups rejoignent effectivement l'UP par exemple, qui est un syndicat d'entrepreneurs, pour venir effectivement faire grossir les rangs de l'UP, y trouver du réseau quand même, parce que c'est important, donc pouvoir grandir eux-mêmes aussi, trouver des chefs d'entreprise qui vont les aider, etc. Et puis défendre les valeurs entrepreneuriales, c'est important aujourd'hui. Eh bien justement, en parlant de valeurs entrepreneuriales, est-ce que tu vois des différences de valeurs entrepreneuriales entre un entrepreneur et un start-upper, un entrepreneur plus établi et un start-upper, et quelles sont les valeurs que tu as identifiées et celles qui te portent? Alors, aujourd'hui, les valeurs, j'ai du mal. Hein, bon, à l'UP, on voit très bien quand on arrive avec des chefs d'entreprise qui ont du recul, qui voilà, ils ne sont pas nés dans le guidon. Hein. Par contre, un start-upper, je ne sais pas si lui, il est né dans le guidon 24 heures sur 24. Donc, ces valeurs, je pense qu'il les a peut-être, mais elles sont bien cachées. Et effectivement, ils ont du mal à dire je vais défendre mon environnement, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y pense quand même. Moi, j'y ai pensé un peu plus. Effectivement, même moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, enfin 30 ans quand dans mes boîtes, j'avais né dans le guidon. C'est qu'après, avec un petit peu de recul, tu es organisé, tu es entouré dans ta structure, et donc tu peux dégager un peu de temps pour aider les autres, pour réfléchir un peu, prendre du recul, voir ce que tu peux apporter à la société, etc. Donc tout ça, il faut qu'ils en prennent conscience. Le plus tôt ils en prendront conscience, les start-upers, et mieux ça sera. Alors, quand mes valeurs, moi mes valeurs, c'est faire. F-A-I-R-E. Voilà, c'est faire, c'est entreprendre, c'est oser. C'est être en risque. Je pense que être en risque, c'est motivant, c'est de l'adrénaline, c'est aimer la vie, c'est être vivant. Alors, il faut être en risque, mais protéger les autres. Hein. C'est-à-dire que dans une entreprise, on ne peut pas mettre tout le monde à risque. Hein. C'est bien sûr. Hein, même en cette période, il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est que, mais quelque part, il faut être en risque. Cette notion de principe de précaution là, qu'on vit depuis des années là, maintenant, et dont on voit effectivement aujourd'hui les contraintes, c'est quelque chose d'abominable. Quoi. Je veux dire, je le dis honnêtement et je le pense sincèrement. Effectivement, il faut évaluer le risque. Il faut préserver les autres. Il faut, et je dis bien, je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas qu'on me dise, je parle n'importe où, mais être en risque quelque part, c'est être vivant. On est mort si on ne vit pas avec ça au corps, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est entreprendre, c'est oser, c'est faire les choses, voilà, c'est y aller. Et si je fais ça dans le sport, dans ma vie de tous les jours, dans mon entreprise, c'est entreprendre et faire. Et dans le bénévolat, mais pourquoi autant de bénévolat, Patrick? Ben, autant de bénévolat parce que je pense qu'il faut qu'on soit tous solidaires. Pourquoi il y a des gens Nathalie qui est présidente de l'APEX aujourd'hui? Parce qu'elle croit à cette solidarité. Elle croit effectivement au développement de l'entreprise à travers l'international. Et moi aussi, et les startups, on peut y revenir aussi. Elles vont pas assez à l'international, mais elles vont pas assez à l'international parce qu'elles sont encore à un stade où c'est un peu compliqué. Mais effectivement, le palier d'après, c'est l'international. Et il faut des gens qui aident. Ceux qui arrivent derrière pour leur faire passer la marche d'aller à l'international, comment on s'y prend pour ne pas faire d'erreur, parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, qui vont nous aider, nous guider, nous faire aller plus vite sans tomber dans le fossé parce qu'ils savent comment éviter effectivement tel et tel écueil, etc., etc. Et donc ça, c'est enrichissant sur le plan personnel d'aider aussi les gens, de leur redonner un peu ce que tu as pu apprendre dans ta vie professionnelle. Okay. Donc c'est important, cet engagement. On ne peut pas vivre aujourd'hui avec du recul. Alors, c'est facile, hein, j'ai du recul, j'ai réussi dans ma vie, j'ai tout revendu, mes boîtes in bonis, etc. Donc c'est facile de dire ça, mais c'est important
à un moment donné, de se dire je m'engage, je vais vers les autres, je vais les aider. Si on veut, si on veut faire rayonner aussi son territoire, si on a une volonté de... Moi, je suis bien à Marseille, je veux que mon territoire soit riche, qui, voilà, qui se développe, qui ait des infrastructures, qui ait des entreprises qui s'y installent. Voilà, je veux tout ça quoi, sur mon territoire. Mais du coup, en fait, on a l'impression en t'écoutant que le rôle d'un entrepreneur va beaucoup plus loin que juste s'occuper de son entreprise. On a vraiment l'impression, enfin moi c'est ma conviction aussi, que l'entrepreneur a un rôle social, voire sociétal. Est-ce que tu peux partager ta vision? Aujourd'hui, on le voit avec la crise, il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus d'entreprises, c'est ce qu'on vient de vivre pendant 2 mois. Il y a tout qui s'arrête. Je veux dire, le monde s'est arrêté. Je veux dire, il y a, mais sérieusement, quoi. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, les utopies, elles sont plus portées par les politiques. Aujourd'hui, elles sont portées effectivement par les entreprises. Et ce sont eux, les chefs d'entreprise, qui font bouger l'environnement politique, économique, social, technologique. C'est elles qui changent le monde aujourd'hui, les entreprises. Ce rôle, il est essentiel aujourd'hui dans notre vie. Et l'entrepreneur, il doit prendre conscience qu'effectivement, il est au cœur de tout. Quoi, hein, on vient de le voir, tout s'arrête si demain matin, il n'y a plus d'entrepreneurs et plus d'entreprises. Quoi, hein. Ça met en difficulté. C'est un effondrement social derrière. C'est un effondrement. Enfin, on va pas refaire l'histoire, hein, mais on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Quoi, hein. Donc, ça veut dire qu'on est responsable aussi d'inventer le futur et que l'innovation, c'est nous qui l'apportons. Alors, l'innovation, aujourd'hui, elle a un rôle essentiel. Quoi. Aujourd'hui, on vient de vivre dans un monde quand même qui est anxiogène. Hein, je veux dire, je ne sais pas si vous savez, mais c'est compliqué quand même aujourd'hui, hein, pour se dire j'ai le moral, je rigole toute la journée. Hein. En plus, comment on ne voit pas les gens, on a du mal à rire à travers un écran aussi. Moi, c'est bien les webinars, là, tout ça, mais c'est bien quand on est en face à face, qu'on rigole, qu'on voit les expressions de tout le monde et tout. Bon, ça, c'est pas mal. Alors, on vit aujourd'hui dans un monde super anxiogène, bon, où il y a eu une cassure, une fracture. Je pense que plus rien ne sera comme avant. Je ne sais pas comment ça va être, hein, je ne sais pas demain, mais en tous les cas, ça ne sera pas comme avant. Je pense qu'il y aura toujours de plus en plus d'intelligence artificielle, de big data, ça ne va pas s'arrêter. Et on en a besoin parce que l'intelligence artificielle, c'est bien pour l'agriculture, c'est bien dans les bâtiments, c'est bien, on voit par exemple, le big data, ça serait pas mal pour le Covid, alors, hein, il y en a qui ne veulent pas l'application. Quoi, mais enfin bon, pour le suivi, enfin voilà, donc il y a, je pense que, mais par contre, tout ça va se faire, autant c'était de façon un peu agressive avant le Covid, autant je pense que ça va se faire de façon de plus douce, à prendre en compte peut-être beaucoup plus le souhait de enfin, être plus proche des gens, le bien-être de chacun, etc. Je veux dire, je pense qu'il y aura une notion plus fine du big data, de l'intelligence. Le but, c'est de créer un futur beaucoup plus optimiste et rassurant pour tous. Ce qu'il faut qu'on ait à l'esprit, c'est ça. Il faut qu'on crée demain un futur plus optimiste. L'innovation, elle devra intégrer forcément plus de social. Celui qui me dit le contraire, c'est un imbécile, un fou. Et du développement durable. C'est du développement durable parce que là, on parle du Covid. Mais il y a un truc qui est très super important. C'est quand même l'avenir de la planète, le réchauffement climatique. Bon, c'était au premier plan avant le Covid. C'est passé un peu au deuxième plan, mais ça va redevenir au premier plan. C'est que on a des ressources naturelles. Il va bien falloir, qui sont ce qu'elles sont et définies, il va bien falloir s'en préoccuper et effectivement se préoccuper de ce développement durable. Penser qu'on va revenir au business as usual, ça serait provoquer d'autres catastrophes. Je pense que on ne reviendra pas à ça. Puis s'il y en a qui ont envie, je pense que c'est une erreur, une grande erreur. On a aujourd'hui, l'innovation, elle doit être à point jonction aujourd'hui d'être vraiment utile. Il n'y a pas de place pour les gadgets. Quoi, hein. Il faut vraiment penser ce qui sera bon pour nos enfants demain. Voilà. Et alors, c'est merveilleux parce que je pense que tous les champs de la créativité sont ouverts. Il y a tout à reconstruire aujourd'hui. Il y a tout. On repart, pas de zéro, mais presque. Rien ne sera comme avant. Donc, on a un champ devant nous qui est pour tout reconstruire. Je pense que, par exemple, on doit pouvoir produire des produits plus rapidement, beaucoup moins chers. On doit avoir une innovation beaucoup plus frugale, beaucoup plus...
plus de flexibilité, c'est-à-dire on doit faire des produits simplifiés. On voit la crise du Covid, là, on a vu des entreprises qui se sont reconverties, qui ont fait des masques du jour au lendemain, d'autres qui ont fait des respirateurs avec des moteurs de je ne sais pas quoi, de mobilettes, je ne sais pas, enfin, n'importe quoi. Mais c'est, voilà, ils ont fait, on n'a pas le produit parfait, mais on a des produits simplifiés, on utilise des ressources existantes, voilà, on ne pense pas que scale up, voilà, donc il faut penser un peu différemment. Moi, je pense que, mais l'innovation est au centre de notre avenir, hein, c'est évident quoi. Si on veut de la croissance aussi, parce que je ne sais pas comment on va repartir, sur quelle croissance, comment, mais il ne faut pas croire non plus qu'on va faire de la décroissance. Moi, je le dis honnêtement, je suis un libéraliste et je tiens énormément. Le système capitalisme, on peut l'aménager, mais c'est quand même aujourd'hui quand même le meilleur système qui existe. Donc, alors, il peut être aménagé, voilà, on peut mettre des curseurs un peu plus social quelque part, mais c'est quand même le seul système qui a fait ses preuves dans le monde entier, quoi, hein, je veux dire, voilà. Donc, et l'innovation, elle doit faire en fait que, elle doit nous apporter la croissance, et la croissance de demain, je ne sais pas ce qu'elle sera. Et sur notre territoire, alors, comment on va faire pour allier tout ça? Tu crois qu'on a une carte à jouer? Alors, moi, je pense qu'il y a, on a d'abord les hommes politiques aujourd'hui qui ont pris conscience, grâce aux entrepreneurs qui leur ont bien fait comprendre, qu'effectivement, l'avenir du territoire passait par un développement économique important. Alors, il y a plein de lacunes encore aujourd'hui, hein, sur, si on prend du territoire, alors, je ne vais pas faire de la politique, mais les infrastructures, enfin bon, voilà, les logements, les terrains pour entretenir les entreprises, enfin, il y a plein de choses qui manquent. Mais indépendamment de ça, je crois qu'on a un écosystème de start-up, de gens qui sont bien cérébrés et pas plus mal cérébrés qu'ailleurs, en tous les cas, et qu'on a tous les outils pour faire de notre territoire quelque, une pépite. Une pépite et qui pourra se développer et qui pourra faire naître effectivement des entreprises qui vont créer des emplois sur place, qui vont créer de la richesse sur place, etc., etc. Moi, je pense que je suis assez optimiste et je veux l'être parce que c'est mon territoire et je l'adore, ce territoire. Je pense que là, Patrick nous a ouvert pas mal de portes. Est-ce que vous avez des questions pour le refaire parler encore? Parce que je trouve que c'est passionnant. Mais je ne veux pas garder le monopole des questions. Ah, sinon, moi, j'en ai encore. Hein. Je vais peut-être commencer. Moi, j'aime bien, Patrick, quand tu dis « c'est à nous d'inventer le futur ». On l'a vraiment ressenti pendant toutes ces dernières semaines, aussi bien dans le collectif, dans les collectifs qui se sont formés en France entière, mais surtout sur notre territoire. Et cette dualité entre la big data et le développement durable, j'ai eu le sentiment que finalement tout le monde avait su s'adapter au télétravail. Et en quelques jours, hein, créer des outils, se connecter des clouds, toutes les entreprises et les systèmes, les institutions qui n'étaient pas prêts non plus à s'organiser autour du big data. Finalement, le besoin créant l'objet, tout le monde s'est mis à la page en quelques jours. J'ai eu le sentiment qu'à travers tous les outils, il faut voir combien d'applications sont nées entre les visios, les zooms, etc. On est rentré dans un tube de retour vers le futur à vitesse grand V et on a gagné dans la réalité. En tout cas, c'est vraiment un sentiment d'entrepreneur. On a gagné 5 ans, voire plus, sur l'organisation digitale de nos entreprises, des achats sur les marketplaces, de cette facilité d'utiliser l'intelligence artificielle, etc. Et d'un autre côté, on finit aussi cette période où on continue cette période en se disant il faut vraiment qu'on fasse un boom dans le développement durable. Et tu vois, ces deux notions-là sont extrêmement importantes. Et comme tu disais, hein, si celui qui ne le fait pas, ou si on ne le fait pas, ce sera l'occasion pour nous de rater le coche. Comment tu peux l'expliquer? C'est vraiment deux blocs qui s'affrontent. Quoi, deux blocs, voilà, c'est deux blocs antagonistes, exactement. Tout à fait. Comment tu peux expliquer ce côté? Et pourtant, ça, comme elle disait Corinne tout à l'heure, c'est évident pour nous de se dire il y a le côté développement durable, et tu le disais aussi, le côté. Alors, je ne vais pas faire une parenthèse sur le problème des masques que je tape, parce que forcément,
travaillant comme chacun de vous dans beaucoup de réflexion sur le durable, moi c'est un truc qui me paraît fou. Mais comment d'un côté il y a cette évidence de l'intelligence artificielle, de la big data, du cloud, des objets connectés aussi, et de l'autre côté c'est ce besoin, cette évidence de consommer différemment, de consommer collectif, ça fait aussi partie du sociétal et du durable, de consommer durable. Comment tu peux l'expliquer Je pense que c'est pas du tout incompatible. C'est vrai qu'on n'arrêtera pas ces grands mouvements, enfin, comme vous disiez tout à l'heure, la blockchain, le big data, l'intelligence artificielle. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, le virage que vont prendre les GAFA là, qui font peur, enfin, juste avant le Covid, on disait les GAFA, on leur donnait tous les maux de la tête, on leur disait c'est des monstres épouvantables, qui ne payent pas d'impôts, qui sont intrusifs, qui connaissent toute notre vie, etc. etc. Bon, ben, ok. Ceci étant, ils apportent dans certains domaines, quand tu prends un bâtiment aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, tu arrives à faire des économies sur les flux parce que tu consommes moins d'électricité, parce qu'il va analyser où est le soleil à un moment donné, la température qu'il fait à l'extérieur, etc. Donc le chauffage va moins déclencher. On a des bâtiments thermiques aujourd'hui grâce à l'intelligence au big data, etc., qui permettent effectivement d'économiser beaucoup d'énergie. Mais je pense qu'il va, il y a eu une espèce de vague où on a dit tout ça ça va nous suivre partout, ça va être très intrusif pour l'homme, etc. Et c'est dans ce sens-là que je dis que demain matin ça va être beaucoup plus, il faut que toutes ces techniques, ces technologies soient beaucoup plus douces, c'est-à-dire qu'elles prennent plus en compte les besoins individuels. On a fait du tourisme de masse à une époque avec, bon, je pense qu'aujourd'hui la tendance elle est plutôt à une personnalisation de son voyage, de son tourisme, etc. Et c'est vers ça, je pense, qu'on va retourner et intégrer, effectivement, en étant beaucoup plus doux, beaucoup plus proche des besoins des gens, intégrer ce développement social, ce développement durable, ce côté impôt, et puis sociétal. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est notre avenir, quoi. C'est l'avenir de nos enfants, en tous les cas. Hein. Oui. Il y a aussi une notion de territorialité. Tu l'as beaucoup évoqué. Tu sais ô combien nous sommes rattachés, nous, à l'APEX, et surtout aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur du territoire, ça résonne encore plus cette notion de prendre en considération le collectif et le territoire pour être encore plus visible et pour qu'on rayonne encore plus. Est-ce que tu penses aussi que le côté durable doit prendre en considération la notion de territorialité, de nationalité, et je vais un peu plus loin, la notion de on n'est pas très nationaliste nous les Français par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'on doit récupérer un peu cette notion de se dire au-delà du Made in France, hein, mais on ne doit pas faire un boom aussi dans le préférentiel territoire-nation? Nous, on a une chance, c'est qu'on s'appelle la Provence quand même. Hein. Donc, oui. C'est un mot, alors ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tapi qui le disait, hein, il disait, c'est un mot qui est mondialement connu. Hein. La Provence, tu vas au fin fond des États-Unis, ils ne savent pas très bien peut-être le situer, mais la Provence, c'est quelque chose qui leur parle en tous les cas. Hein. Et effectivement, d'abord, on a un environnement géographique qui est fabuleux. Hein, bon, je veux dire, et intégrer dans tous nos outils d'attractivité, intégrer le côté développement durable, je protège les gens, je protège la nature, je protège notre environnement. Nous, on a la mer, on a la montagne, on a tout, quoi, je veux dire. Hein, donc il faut, et venez ici chez nous, il y a tout ce qu'il faut, il y a des entrepreneurs, il y a des installations, il y a des... mais il y a aussi effectivement un environnement où on privilégie tout ce qui est développement durable. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut, et c'est plus facilement déformable que quand tu es à Lyon ou tu es cerné de hauts fourneaux, d'usines, de machin. Enfin, je veux dire, voilà, donc je pense qu'on a une carte à jouer à mettre c'est un argument supplémentaire dans l'attractivité de notre territoire aujourd'hui. Mais il faut le mettre en valeur aussi. Hein, mais je pense que aujourd'hui, la cartographie de tout ce qui peut attirer les entreprises à venir, les talents, parce que ce qu'il faut attirer ici, c'est nous, chez nous, c'est les talents d'entrepreneurs, les talents en tant que salariés. Les entreprises ont des difficultés à trouver des talents en tant que salariés. Je pense à Kevin, avec qui je discutais autrefois, qui me disait, c'est compliqué à faire venir des talents chez nous. Donc voilà, donc il faut faire la liste de tous les
de tout ce qu'on peut apporter à ces gens-là pour leur faire comprendre qu'ici, on peut entreprendre, on peut se développer, on peut vivre et on peut travailler avec un environnement qui, où il y a tout, quoi. Il y a tout. Ce que je trouve, si je peux me permettre de rajouter, on a un environnement, et tu en es le parfait exemple, c'est-à-dire qu'on a des entreprises hyper traditionnelles avec des calissons, avec le savon de Marseille. Ouais. Ce sont des entreprises extrêmement anciennes et traditionnelles. Et puis à côté, on a des start-up qui inventent le futur. Et je trouve ça superbe. Et surtout quand on les associe toutes les deux. Imaginez que vous alliez donner des goodies au lieu de donner une start-up hyper high-tech, au lieu de donner un goodies qui serait une petite clé USB, donne un bout de savon de Marseille. C'est un truc extraordinaire. Ouais. Alors, moi, je pense que tu viens de soulever, c'est qu'effectivement, la mixité entrepreneur start-up, ça aussi, enfin, j'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, mais il y a un truc important, c'est que j'ai créé un club Open Innovation, où effectivement j'organise des rencontres avec des start-up sur des thématiques définies, avec des grands comptes. Je pense que tout le monde a y gagner. À savoir que la start-up, ben, elle cherche un peu de sous toujours. Donc, si elle peut avoir un POC, etc., auprès d'un grand compte, c'est toujours bien. Ça va lui donner un petit peu de visibilité. Et puis, le grand compte, aujourd'hui, ils sont un peu souvent à court d'idées dans leur bureau de recherche et développement. Et ils sont bien obligés d'aller chercher de l'innovation ailleurs, à l'extérieur, à travers des start-up. Et donc, ce mélange, indépendamment du fait que tu défends les valeurs, etc. Le fait de s'apporter mutuellement du business, alors encore faut-il que les grands groupes payent bien, etc., les startups, enfin, il y a encore des trucs, un peu d'huile à mettre dans les rouages, mais si on arrive à mettre un peu d'huile dans les rouages, cet échange entre startups et grands groupes est quelque chose aussi de primordial pour le développement de notre territoire ici, localement. D'accord. J'avais une intervention de Maxime Soumaron. Qui parlait d'une école à Paris qui s'appelle AgroParisTech. J'aimerais bien que vous en parliez un peu. Ce serait peut-être intéressant de le rajouter à la discussion. Oui. Ok, bah, pas de souci. Donc, bonjour à tous. C'est une école, je suis issu ingénieur de cette école-là en dernière année. Et donc, c'est une école qui est sur le thème de l'environnement, l'agroalimentaire, l'agroforesterie, etc., qui forment des ingénieurs et qui sont sensibles pour un avenir plus durable, et aussi une spécialité plus sur l'intelligence artificielle qu'on peut coupler donc avec tous les domaines. Et on a des options entrepreneuriales aussi. Donc, c'est des talents qui peuvent être très mobiles. Donc, par exemple, on a une année de césure qui nous permet d'aller faire des stages un peu partout en France ou à l'étranger. Donc, a priori, ça peut commencer par un stage pour ensuite suivre sur une embauche. Voilà des possibilités de trouver des talents pour construire des projets ambitieux et intéressants pour l'avenir. Oui. Alors, ben merci pour cette information. Je pense qu'il y a des gens qui entendent et qui vont rebondir. Ceci étant, l'agroalimentaire, c'est vrai qu'ici, dans la région, elle est assez développée parce qu'on est quand même un territoire aussi, je disais, la mer, la montagne, etc., mais on est un territoire très agricole. Tout ce qui est le nord du département, on va dire, est très agricole. Et donc, il y a Avignon, où il y a pas mal de recherches, il y a l'INRA, etc., qui fait pas mal de recherches aussi au niveau agronome. Et donc, il y a des possibilités dans ce domaine-là de couplage avec le développement durable, on y revient, et du big data, d'intelligence artificielle. Et je pense que si vous cherchez des stages, vous vous trouvez sans problème dans la région. Ouais. On a aussi à l'APEX hein, quelques membres qui travaillent dans l'agroalimentaire. Et ça peut toujours, Maxime, être intéressant que tu donnes quelques informations au bureau. Je suis sûre qu'on peut développer des partenariats avec cette école. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Après, j'aimerais… après, on n'a pas parlé beaucoup de… Quand je disais tout à l'heure, il y a le chef d'entreprise, le start-upper, c'est compliqué, c'est un parcours du combattant aujourd'hui, etc. Et ça va de plus en plus. C'est vraiment… les gens, il faut qu'ils comprennent quand ils se lancent dans cette aventure aujourd'hui de start-up qu'il faut énormément de courage. Il faut énormément d'audace, quoi. Je veux dire, il faut être un peu le couteau suisse. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, moi, mes parents me disaient, quand je faisais une bêtise, tu réfléchis d'abord, tu agis après, quoi. Hein. C'est-à-dire que voilà. Aujourd'hui, dans la start-up, on est plutôt dans le style des fois,
pas toujours, mais tu agis et puis tu vois après ce que ça donne. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux présenter un produit à un client à moitié fini, même s'il n'est pas parfait, et continuer à l'améliorer avec le client plutôt que de se dire, réfléchir seul dans son coin, de se dire je vais faire le produit parfait et le présenter au client et alors que ce n'est pas du tout ce qu'il attendait. Ou, voilà. Donc, je pense que des fois, et c'est pas naturel de se dire j'agis et je réfléchis après. On a plutôt, enfin, moi j'ai été éduqué dans le truc, peut-être tu réfléchis et tu agis après. Quoi, hein. Voilà. Souvent, un chef d'entreprise aujourd'hui, et ça je fais, il y a 30 ans, quand tu étais chef d'entreprise, tu te faisais tu avais une vision. En gros, à part quelques petites variations sur ce trend, tu étais toujours sur le même trend, tu savais où tu allais, quoi. Hein. Aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu penses blanc aujourd'hui, tu peux dire demain à tes salariés, à ton équipe, tu peux leur dire, ben non, demain on pense noir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la constance, c'est un vice aujourd'hui. Et se dire, je maintiens mon cap et je suis dans cette truc-là. Et plutôt, c'est l'inconstance qui est la vertu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être compris et dire, je change la vie, je pivote, c'est pas bon ce que je faisais, c'est comme ça, c'est là qu'on va aller. C'est dur à dire ça. Mais aujourd'hui, être s'entêter, c'est un vice. Enfin, ce qui est une vertu, c'est l'inconstance aujourd'hui, je trouve. La flexibilité aussi. Oui, la flexibilité. C'est exactement ça. Et puis, quand on est un start-upper et un chef d'entreprise, je pense qu'il faut aussi énormément d'humilité et d'humanité. Je crois qu'on va travailler avec une équipe, il faut l'emmener quelque part, il faut faire le voyage avec elle. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas d'abord des valeurs, si on n'est pas humble déjà. Il faut savoir embaucher, déjà je le dis souvent, hein, il faut savoir embaucher des gens plus forts que soi, plus intelligents que soi, plus performants que soi, etc. Il ne faut pas avoir honte là-dessus. Hein. Et puis il faut être humaniste, je veux dire, il faut aimer les gens. C'est une passion, quoi, être entrepreneur, c'est vraiment une passion, quoi. Je veux dire, on ne peut pas faire ce. Oui, on peut le faire à court terme, mais on ne peut pas avoir sur la durée, il faut être passionné pour faire ce parcours du combattant, hein, c'est ce d'obstacle. Hein. Il faut vraiment être passionné. Vraiment. Ouais. Écoute, je laisse rebondir Marc Amerigo, ouais. Parce que là, vraiment, tu es dans son domaine et dans son sujet préférentiel. Marc, je te laisse intervenir parce que c'était lâché la transition. Non, mais c'est une question en fait, juste pour toi, Patrick. Merci pour ce que tu dis. J'adore ce que tu dis. Ma question est la suivante. Comment tu vois dans le monde d'aujourd'hui, on sent qu'on a une sorte de deux gros mouvements, ceux qui s'accrochent à ce qu'ils ont déjà construit avant et qui veulent revenir le plus vite possible à comme avant, même s'ils savent qu'il y a des petites variations, etc. Et puis, il y a toute une frange de la population et d'entrepreneurs et puis de start-upers, bien sûr, qui sont sur, nous, on veut un nouveau monde dans lequel on s'éclate dans ce qu'on fait au quotidien, dans lequel on est connecté, dans lequel, etc. Comment tu vois cette sorte de, alors, ouais, de balance, moi, et de pitching point, c'est comment ça… Moi, des fois, il y a des discours à l'UP, là. On avait une réunion l'autre jour donc avec des chefs d'entreprise, plus d'entreprises traditionnelles, où effectivement, on va revenir comme avant. Là, je dis attention, quoi. Si on revient comme avant, ça serait, on va provoquer, je l'ai dit tout à l'heure, on va provoquer des catastrophes. Après, je ne sais pas quel sera le monde de demain. Moi, je ne sais pas. Je disais qu'il faut qu'il intègre plus de développement durable, plus de social. Plus, ok, certainement. Mais qu'est-ce qui va être? On va le construire tous ensemble. Mais ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est que tout est démonté, tout est en l'air, et qu'on a un champ des possibles. On peut y aller, quoi. Hein, on a un champ des possibles. Tout est à reconstruire. On repart pratiquement de zéro. Mais dire je vais refaire le monde d'avant, il faut pas refaire le monde d'avant. Ça, c'est sûr qu'il faut pas repartir là-dedans. Quoi, hein. Faire des produits très cher, enfin comme je disais tout à l'heure, il faut réfléchir un petit peu comment on va refaire des produits, comment on va, d'abord il va y avoir ce problème de, on va rapatrier certaines industries chez nous. Bon, après il va falloir faire où on met le curseur au niveau prix, hein, parce que c'est bien beau de dire on rapatrie, mais si personne peut acheter les produits qu'on fabrique en France, donc si ça coûte 10%, 20% de plus, peut-être que certains vont pouvoir dire je paye, mais si ça coûte 50% de plus, ça va être assez impossible, hein, aussi, hein, donc il y aura quand même le problème pouvoir d'achat qui va permettre de dire ça je peux le rapatrier, ça je peux pas le rapatrier parce que de toute façon un t-shirt à 70€, j'ai n'importe quoi, hein, mais à 70€, je peux pas l'acheter, quoi. Voilà, s'il coûte quelques euros de plus, oui, mais pas 10 fois le prix. Bon, enfin, donc, mais tout est à reconstruire, c'est ça qui est fabuleux, quoi. Je crois qu'on a un champ là devant nous des possibles qui est fabuleux, et donc allons-y, créons, ouvrons-nous, quoi.
ouvrons-nous. Merci. Merci Patrick. Je sais pas, j'ai répondu à ta question, mais voilà. Donc... En fait, on est. Ce que moi je perçois, c'est qu'on a cette sorte de dualité entre le monde d'avant que bon nombre veulent de leur souhait, hein, à commencer par, ouais, par un certain nombre de politiques aussi. Et puis oui, je sais pas. L'homme aime bien rester sur ses. Tu sais, la prise de risque, toi, c'est ton quotidien. Moi aussi, mais l'humain ne fonctionne pas forcément comme ça. Non, mais quand je dis qu'il ne faut pas revenir à comme on était avant et que ça serait de nouvelles catastrophes, je pense qu'ils vont vite s'en apercevoir, les chefs d'entreprise, on va dire un peu traditionnels ou de l'ancienne génération. Ils vont vite s'apercevoir que les modèles, il faut les changer. Je pense que ça va se faire. Poussé par tout le monde, quoi. Poussé par les mouvements sociaux, poussé par les politiques, poussé par des réflexions philosophiques. Parce qu'il y a eu beaucoup ça a permis de prendre du recul. Enfin, on a vu voir pas mal de réflexions de philosophes aujourd'hui poindre le bout du nez. Enfin, bon, donc je pense que sur l'être humain, enfin, etc. Donc, je pense que tout ça va faire qu'on va créer un nouveau monde. Alors, ça ne sera plus comme avant. Je ne sais pas comment il va être. Il va se faire petit à petit. Et il y aura cette notion de croissance. Je ne sais pas comment on va la travailler, mais c'est sûr qu'on n'aura plus la même croissance. On ne va pas parler de décroissance, parce que moi, ça me plaît pas, ça. Mais ça va être autrement. C'est sûr que ça va être autrement. C'est sûr. Surtout que les enfants qui ont vécu ce confinement seront certainement beaucoup plus marqués que nous et vont s'en souvenir. Donc, eux, ils auront forcément une attitude différente. Oui, je te rejoins complètement. Complètement. N'oublions pas que c'est eux qui vont travailler, qui vont œuvrer à ça demain, hein. Et qui vont faire, ils vont changer leur mode de consommation, ils vont changer beaucoup de choses, et on va être obligé de s'adapter quand même, hein, quelque part. Oui. Si on y arrive, hein, parce que nous, on a quand même passé l'âge, hein, ça va être plus compliqué, hein. Oui. Je vais donner la parole à Marc. J'aimerais bien que Marc, tu rebondisses un peu sur ce qui a été dit, et aussi sur cette notion de s'en découvrir un petit peu ce que tu vas dire la semaine prochaine, mais que tu fasses le lien un petit peu entre ce que Patrick vient de nous partager, cette forte implication, hein, de la start-up et comment l'intérêt d'être accompagné pour mieux grandir et pour avoir la possibilité de réussir, c'est tout étant la problématique des start-upers quand on est accompagné plutôt que juste financé. Et aussi ce fondamental dans l'esprit d'équipe, l'énergie, l'humilité de j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Patrick, l'humilité du chef d'entreprise et de savoir engager des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous, parce qu'on a cette notion que nous, on sait faire une petite partie et que c'est en s'entourant de compétences et d'expertise qu'on peut avancer vraiment. Et aujourd'hui, je pense que c'est dans les nouvelles générations d'entrepreneurs et de management qu'on a plutôt intégré ces notions-là. Marc, je te laisse un peu la parole parce que ça me ferait plaisir un petit peu que tu fasses le lien entre ce que vient de raconter, de dire Patrick et ta notion de l'entrepreneur et de l'équipe. Oui, avec plaisir. Patrick, on sent ressortir dans ce que tu dis l'amour de la montagne et de la montagne, au-delà de la montagne qu'on connaît tous, mais de la montagne dans les milieux extrêmes. Et mon univers, c'est le monde des milieux complexes et des milieux extrêmes et des records du monde en sport extrême. Et ce qui ressort de ce que tu dis, c'est quelque chose avec beaucoup d'humilité, très posé, l'écoute de l'autre, et ce sont des valeurs qui sont importantes. Et dans le monde qu'on présente aujourd'hui, on se rend compte qu'on va devoir produire mieux, on va dire, être plus performant de façon générale, mais avec surtout beaucoup plus de contraintes. On va devoir faire le plus grand nombre. Tu as mentionné l'innovation frugale de mon ami Navi Radjou. C'est quelque chose qui va venir chez nous. Ce n'est pas que dans les pays qui sont en développement. On va devoir faire plus avec moins et avec moins, c'est-à-dire beaucoup moins. Et parce que la planète, parce que des tas de nouvelles valeurs vont sortir. Et on va devenir peut-être même obsessionnel là-dessus, quoi. Avec quoi ça a été fabriqué? D'où ça vient? Combien il y a de tungstène là-dedans? Et c'est certainement des choses qui vont sortir. Et dans ma perception des choses, c'est que ce monde de demain va devoir, pour faire plus et mieux, va devoir s'appuyer vraiment sur l'humain, pas comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en écrasant l'individu, en l'utilisant comme
une ressource matérielle, en fait. Hein. On parle bien de ressources humaines. Mais considérer que l'humain, en fait, c'est un bout de la nature qui est dans nos organisations. C'est encore un morceau de la nature qui est dans nos organisations avec toute sa puissance. Et ce qu'on va explorer ensemble la semaine prochaine, qui est très connecté à ce que tu viens de dire, c'est comment, dans ce monde de demain, ben, on doit basculer aujourd'hui de la performance pure à tout prix. Puis on verra ça avec des images de records du monde en sport extrême. Comment on ressent dans notre chair cette... ce burn-out là où on se crame tous pour atteindre un objectif et comment bien on va réussir à trouver du sens dans ce qu'on fait avec la dimension technique et puis la dimension de l'humain, comment on se reconnecte à l'autre, comment est-ce qu'on crée un collectif qui est puissant. C'est ça qu'on va explorer avec ben, des images d'industrie, des images de milieu extrême comme tu connais et ben, voilà, c'est l'ouverture vers ce monde de demain, c'est une forme de proposition en fait que j'appelle l'ultra-performance, la philosophie de l'ultra-performance. Qui n'est pas performé plus, mais performé différemment. Alors, c'est vrai que bon, là, moi, je fais de la montagne et je fais de la montagne, enfin de la haute montagne, hein, je fais des 8000. Bon, donc voilà. Donc, et je suis de la très haute montagne. De très haute montagne, ouais. Et je suis humble parce qu'effectivement, ben, c'est un élément que tu ne maîtrises pas et que. Et voilà, il faut respecter la montagne, il ne faut pas aller contre elle, il ne faut pas se battre, enfin, il faut vivre avec elle. Il faut comprendre si à un moment donné tu ne peux pas aller au sommet, qu'il faut faire demi-tour. Et voilà, donc, mais le chemin est aussi beau. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas souvent, enfin souvent, c'est vrai, au sommet d'une montagne, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'on a des problèmes physiques, parce qu'il y a des problèmes d'intempéries, parce qu'il y a des problèmes, etc. Mais c'était, si tu veux, la démarche, même jusqu'au point où tu t'arrêtes, elle est belle, quoi, et elle t'apprend des choses. Voilà. C'est l'histoire. Comment ? C'est l'histoire qui compte. C'est le chemin. C'est le chemin parcouru quoi, qui compte. Et je pense que et puis il faut. Enfin, c'est un métier de passionné. Hein, ça, enfin, c'est un métier. C'est un hobby de passionné qui est à risque aussi. Mais les risques, il faut les mesurer, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter l'autre. Souvent encordé aussi quand on est en montagne. Donc il y a un respect de l'humain et de la personne avec qui tu es encordé. On ne peut pas se permettre n'importe quoi, donc il faut comprendre ses préoccupations aussi. Voilà. Et demain, ça va être ça. Ça va être, on est encordés tous les uns aux autres demain, une grande chaîne humanitaire. Et effectivement, il va falloir tous avancer de la même façon, tenir compte des gens qui avancent moins vite. Et puis, on ne va pas pouvoir brûler à cette ressource humaine comme ça, quoi, comme on l'a fait jusqu'à présent. Quand je dis brûler, c'est-à-dire l'utiliser, la jeter. Je veux dire, il va falloir effectivement tenir, comme tu disais, beaucoup plus compte de l'humain et de ses véritables besoins, se rapprocher de lui aussi. Quoi, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on a fabriqué beaucoup de produits très sophistiqués, qui répondaient pas forcément à des attentes, qui ont consommé beaucoup d'énergie, beaucoup, enfin voilà, qui ont je parle pas du carbone, etc. Enfin, je veux dire, mais il va falloir faire des économies sur le carbone dans tous les secteurs d'activité. Bon, on va pas dire, on va pas supprimer du jour au lendemain les avions, c'est quand même, mais il va falloir faire un petit peu des économies sur les avions, un petit peu sur les voitures, un petit peu sur tout. Enfin voilà, donc il va falloir repenser un peu notre monde et sans arrière-pensée politique. Quoi. C'est-à-dire que le problème il est là, quoi. C'est-à-dire que le problème de ce Covid, alors là je fais un peu de politique, mais c'est qu'il a accéléré beaucoup de choses et il a accéléré aussi les problèmes d'évolution des mentalités au niveau politique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une fracture qui se produit de plus en plus entre les démocraties et un peu les États totalitarismes. Et donc il va falloir faire attention à ce niveau-là de pas sombrer d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut rester du bon côté, quoi, d'être du côté de la démocratie. Et j'ai peur que cette accélération qu'on a vécue, il y a la fracture Nord, il y a la fracture Asie-Europe, il y a la fracture, etc., qui a été accélérée hein, par le Covid, hein, puisque voilà, on reproche à certains enfin, voilà, beaucoup de choses. Et je pense que c'est pareil dans le domaine politique. Il y a cette dualité aujourd'hui qu'on voit apparaître entre les économies, enfin, les pays assez démocratiques, et les pays un peu plus populistes. Il va falloir faire attention à ça, parce que basculer du côté du populisme, ce n'est pas non plus une très bonne chose. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, moi, quand même. Hein. Et pour ça, l'humain, il doit être... Et pour prendre la décision, il faut aussi l'éduquer, l'informer, etc. Quoi, hein. Il ne faut pas qu'il se laisse aveugler par des belles théories. Quoi, hein.
Je vous avais prévenu que ce serait passionnant. Moi, j'aurais aimé aller plus loin avec Patrick sur le côté un peu philosophique, les systèmes avec de l'éthique à l'intérieur ou pas, qu'est-ce qu'on doit en faire. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, j'ai adoré. Ah, ben, je reviens, moi. Bon. Il y a des questions ? Il y a des questions, Nathalie ? Là, je ne vois pas de questions. Moi, j'aimerais bien qu'on ramène aussi, tu vois, tu parlais du côté soit des deux types de politiques, mais aussi le rôle de l'entreprise. On voit, nous, entrepreneurs, la volonté qu'on a aujourd'hui et qu'on met à vouloir être un peu plus acteur dans le politique, non pas parce qu'on a envie de faire de la politique, loin de là nos volontés, hein, pas du tout, mais de cette prise de conscience ici, la différence qu'il y a entre la réalité et les lois, parfois. Et c'est vrai que, de façon territoriale, la volonté des entreprises à être plus écoutées, plus acteurs, non pas à un niveau politique, mais à un niveau d'évidence, de décision, pour qu'au niveau des entreprises, on puisse mieux gérer, mieux fonctionner, mieux travailler, mieux travailler ensemble. Et je pense aussi que la période du confinement et du Covid, elle nous a donné aussi cette conscience-là du rôle de l'entreprise, non pas dans l'économie, mais dans la politique, malheureusement. Oui, mais je pense que… Alors, on était… Enfin, moi, je ne vais pas faire un peu de politique, mais c'est vrai que pendant des années, je pense qu'on n'a pas le même problème à Lyon qu'ici, dans les rapports entre échanges entre les politiques et les entrepreneurs. Je pense que ça va changer. Enfin, il faut que ça change. De toute façon, aujourd'hui, la politique et l'entreprise est fortement liée. On ne peut pas dire les politiques je veux être attractif sans s'appuyer sur le monde économique et sans savoir ce que le monde économique veut, parce que ce que veut le monde économique, ça sera bon pour la ville, ça sera bon pour le territoire, ça sera bon pour l'attractivité. Donc aujourd'hui, les politiques sont obligées de s'appuyer sur les entrepreneurs pour faire avancer notre région, notre attractivité, notre facilité de vivre. Et c'est impensable que des entreprises à Vitrolles, quand j'entends à l'UP des boîtes qui se disent « Moi, je recrute des gens, les gens, ils habitent de l'autre côté d'Aubagne, quoi. Donc ils vont travailler à Vitrolles. » Ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, il faut trouver… Ce n'est pas possible à cause des moyens de locomotion qui n'existent pas entre les intercommunalités, Aubagne, Aix-Marseille, etc. Enfin, Vitrolles et compagnie. Donc, il va falloir trouver, effectivement, que nous, on va être pourvoyeur d'idées auprès des politiques, mais il va falloir qu'ils les mettent en pratique. Et s'ils ne les mettent pas en pratique, effectivement, tout s'arrête. Enfin, je veux dire, on n'avancera pas, on sera paupérisé. Aujourd'hui, il faut des infrastructures, il faut pouvoir loger les talents qu'on veut faire venir, il faut pouvoir mettre dans des écoles les fils des talents qui viennent ici, il faut pouvoir avoir des terrains pour implanter les entreprises qui viennent ou qui veulent s'agrandir. Et voilà, il faut avoir un réseau de transport qui soit un réseau de transport dont on n'est pas honte. Voilà, donc ça part des trains, ça part des voies autoroutières, etc. Enfin, ouais, y a des choses à faire énormément dans notre région, mais je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas sous la poussée, effectivement, des entrepreneurs aujourd'hui qui discutent sans problème à travers des associants, toi, l'APEX, l'UP, la FreshTech même, hein, qui discutent avec eux. Oui, mais Medinsoft. Voilà, mais on discute et on fait avancer les problèmes. Et aujourd'hui, autant il y avait un mur entre le politique et l'entrepreneur, le politique faisait sa salade tout seul et avançait tout seul, et voilà, bon, ok, et il allait chercher des voix, pas forcément. Aujourd'hui, il ne pourra pas aller chercher des voix auprès des individus sans tenir compte de ce que veulent l'entreprise et les entrepreneurs. Parce que l'entreprise, c'est les individus qui la font, en fait, aussi, hein. Donc, tu ne peux pas aller chercher une voie si tu n'as pas satisfait aussi l'entreprise et les entrepreneurs. Oui, complètement. Corinne ? Non, je voulais juste dire que la politique, si on revient au sens étymologique, c'est la vie dans la cité. Et la vie dans la cité, c'est l'entreprise, c'est l'économie et c'est les gens qui la constituent. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, on a vu pendant 2 mois, il n'y a plus d'entreprises et d'entreprises qui a tourné, quoi, hein. Tout s'arrête. On ne savait plus si on allait recevoir des… si on allait être approvisionné au niveau d'alimentaire. Bon, bien sûr, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salaire. Bon, heureusement que l'État est subvenu, mais à travers le chômage partiel, mais il n'y a plus de salaire, il n'y a plus d'échange qui se fait. Demain matin, on met au cœur du système quand même, hein. Il faut bien en prendre conscience, quoi. Tout s'arrête.
On a fermé les entreprises, tout s'est arrêté. Voilà. Ouais. Ouais, ça a été je pense, un choc. Que le 17 mars, hein, ça a duré quelques jours, mais le 17 mars, aussi bien au niveau de la population, mais au niveau des entrepreneurs, des salariés, ça a été un choc. Hein, ça a été un choc qui a duré quelques jours. Et on a été sonné là du choc. On a été sonné et vraiment, je félicite encore les synergies et les collectifs qui se sont formés durant les premières semaines, les premiers jours, pour que dans la mesure du possible, on puisse sauver. Il y a eu une très, 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 très forte solidarité du monde entrepreneurial. Ça m'a surpris. L'entrepreneur est assez individualiste, mais là, dans cette période très trouble, très dure, et ce choc qu'il a subi, il a su trouver un élan de solidarité très, très fort. Je l'ai vu à travers les WhatsApp enfin, qui ont été mis en place à travers différentes filières. Et effectivement, ça a permis de soutenir, enfin, de trouver des solutions, mais au moins de soutenir le moral de tout le monde. Et certaines solutions ont été trouvées pour des entreprises qui ne savaient pas comment accéder à certaines choses, etc. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup, Patrick, pour ton intervention. Merci beaucoup aussi, Corinne. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et de s'enrichir. Et on croise les doigts pour les startups. On sait ô combien cette période est extrêmement compliquée et que les 6 prochains mois seront décisifs pour certaines startups. C'est l'avenir de notre territoire, la startup. Hein. Voilà, oui, exactement. Donc, et vraiment, on croise les doigts. Et si on peut trouver des dispositifs ou des systèmes de partenariat ou de coaching, sache que… Alors, juste un mot pour l'international, c'est vrai que… La start-up, l'international, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'elle n'est pas à un stade où elle y va encore. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, aider les entreprises, les start-up à partir même très tôt à l'international. Ça, c'est un levier de croissance important et qu'il faut qu'elles abordent assez rapidement. Donc, on en reparle quand tu veux. Bon, tu connais dans les activités et de Corinne et de mon entreprise, on est dans les biotech et donc alors on n'est plus des startups, mais on a grandi de l'innovation, de l'invention, du développement. Et c'est vrai qu'on sait que l'international, ce sont des marchés qui sont souvent très 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 porteurs pour des innovations, pour du développement. Et il ne faut pas l'oublier que l'international, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça, c'est du début d'avoir cette réflexion d'aller loin. Moi, ce que je peux te proposer, en tout cas à l'APEC, c'est de co-animer ce que tu fais chez PayFactory pour aider les startups à s'informer de temps en temps, de rejoindre l'APEC et au moins d'avoir un soutien comme on le fait à l'APEX, d'expérience, d'expertise, d'information. C'est toujours bon de le faire au préalable. Et puis, ça ouvre l'esprit de partager, ça ouvre l'esprit sur des nouveaux projets, des nouvelles idées auxquelles peut-être on ne pense pas quand on est tout seul enfermé dans son guidon. Ouais. Et ce que tu fais chez PayFactory, d'accompagner, c'est un peu ce qu'on fait de façon différente à l'APEX. Mais je trouve qu'il y a des choses à faire en partenariat et en collaboration pour aujourd'hui, en tout cas, du mieux qu'on peut avec nos moyens, aider les startups à grandir un petit peu et essayer de s'en sortir peut-être vers des marchés qui ne sont pas forcément les marchés auxquels on a l'habitude d'attendre. L'international, ce sont des gros marchés et le savoir-faire français, c'est toujours quelque chose qui est recherché, quoi qu'on dise. Hein. La France se vend très, très bien. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais, en fait, mon souhait pour PayFactory, c'est que ça devienne vraiment une marque dans l'accompagnement entrepreneurial. Aujourd'hui, je voudrais que voilà, demain, on dise PayFactory, c'est la marque de l'accompagnement entrepreneurial. Et juste un slogan pour faire le lien entre aujourd'hui et la prochaine fois, c'est que rien dans ce monde ne s'est accompli sans passion. Voilà. Et je pense que ça sera l'introduction du prochain webinaire que tu organises. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon appétit pour ceux qui ont encore déjeuné et bonne fin de journée. Merci à toi, Nathalie. Merci, Corinne. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.